Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver à nouveau sur la chaîne. Ça faisait un petit moment. Mais avant de commencer avec Céline, on tenait vraiment à vous souhaiter une excellente année 2017. On espère que vous avez bien profité de vos proches, de vos amis, de vos familles. Et puis que vous avez bien fêté tout ça. Mais surtout, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est beaucoup de bonheur, partage, de joie, d'épanouissement, de réussite dans ce que vous allez entreprendre toute cette année. Et puis et la santé. La santé avant tout, et puis bon bah voilà, tout ce qui va avec. On souhaite toujours que la nouvelle année soit meilleure que la précédente, et c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. Et on souhaite aussi pas mal de choses pour cette chaîne, notamment d'être un peu plus active. Donc je vais pas revenir en détail sur ce qui s'est passé et notre absence, on vous l'avait expliqué plus ou moins brièvement sur les réseaux sociaux. Mais on vous prépare pas mal de vidéos pour les semaines à venir et les mois à venir. On espère que vous êtes contents, nous on est hyper contentes. C'est vrai que ça faisait... ça manquait un petit peu de reprendre la caméra et de faire des trucs... voilà, de trouver des moyens de vous divertir et de pouvoir partager ce qu'on aime. Et on espère que vous serez au rendez-vous pour toute cette année. Et donc moi aujourd'hui, comme vous avez pu constater au titre, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. J'arrive toujours 100 ans après tout le monde, mais ça je pense que vous avez dû comprendre un peu la politique de la chaîne. Et puis je me suis dit, début janvier ça passe. En plus c'est les soldes, donc là, je me suis dit que ça avait peut-être une utilité aussi. J'arrête de parler. Je vous laisse avec la vidéo en espérant que ça vous plaise et puis c'est plus tard, c'est parti. Et en cadeau que j'ai eu pour ce Noël-ci, c'est ces étagères, donc c'est assez classique, je vous les mets en photo juste là. Des étagères Ikea, enfin voilà, de la marque Lax si jamais ça vous intéresse. Que j'aime beaucoup, c'est très neutre donc ça va partout. J'aime beaucoup tout ce qui est déco un peu épuré. Alors là les amis, petits bijoux que je vais pouvoir ajouter à ma collection de palettes. Ça va être la palette d'highlighter de chez Becca en collaboration avec Jaclyn Hill qui est une youtubeuse américaine magnifique et qui collabore souvent avec cette marque là. Ils ont sorti ce petit bijou. Vous en avez certainement entendu parler sur YouTube parce qu'il y a eu beaucoup de revues à ce sujet. Donc je vais pas trop m'attarder là dessus. Si jamais vous en avez une revue sur cette chaîne, je me ferai un plaisir de vous la faire. Enfin bref, c'est un bijou que j'avais remarqué depuis un moment, moi qui suis une grande fan de highlighter. Je l'avais remarqué cet été quand je suis allée au Canada et à New York, parce que la France sort 50 ans après tout le monde, les nouveautés qui sont plus nouveaux en fait dans d'autres pays. Mais voilà, on va pas se plaindre, il commence à avoir pas mal de nouveautés ces derniers temps. Et cette palette est sortie depuis ce Noël-ci, il me semble pour les fêtes de Noël. Et elle a été très rapidement en rupture de stock. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite aussi vivement à aller voir sur le site ou dans vos Sephora près de chez vous s'ils en possèdent. Et autre petit bijou que j'ai eu aussi pour Noël et par Céline, c'est... la palette Naked Ultimate Basic de chez Urban Decay. Donc cette palette aussi vous avez certainement dû en entendre parler sur YouTube parce qu'elle est sortie depuis cet automne, enfin l'automne dernier, et il y a eu beaucoup de revues encore bien sûr, il y a eu beaucoup de revues encore à ce sujet et elle est magnifique. Enfin bref, encore une fois je vais pas trop m'attarder là dessus mais je vous la conseille vivement. Encore de Céline qui m'a offert ce rouge à lèvres que j'adore. Clairement, c'est un dupe des liquid lipsticks de Kylie Jenner. C'est un prune bombissime, hein. Ça c'est très honnêtement, il est magnifique. Si vous n'êtes pas trop genre des choses un peu foncées, dark et tout, bon je peux comprendre, parce que c'est pas spécialement facile à porter. J'ai pas de référence particulière, je sais pas où est-ce qu'elle l'a acheté, donc de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je demanderai à Céline de me dire où est-ce qu'elle a acheté. Je pense que c'est plutôt Amazon, des trucs comme ça. Et la marque c'est Dragon. Dragon. Voilà. Autre cadeau de Céline, c'est le Eyebrow de chez Benefit. Je suis hyper contente parce que c'est une technique que j'utilise beaucoup. Alors, on peut utiliser ce crayon pour beaucoup de choses en maquillage. Mais moi je l'utilise essentiellement pour le mettre en dessous du sourcil. Je trouve que ça met en valeur vos sourcils, ça illumine vraiment votre regard. Enfin moi c'est vraiment une technique que j'utilise très régulièrement. Et c'est comme ça. Donc c'est vraiment un crayon top parce qu'il s'estompe très très bien. Il est crémeux et enfin bref, très joli. Masque, pour rester à peu près dans le même thème beauté, ces trois masques qui sont juste trop mignons, j'avais très envie de les tester. Je les avais vus au Canada cet été, je les avais vus aussi sur YouTube l'année dernière. Il y a eu pas mal de crash tests je crois sur ces masques là et mon frère et ma belle-sœur me les ont fraîchement envoyés du Canada, donc je suis hyper contente. Je vais certainement vous en faire une vidéo crash test comme j'aime les faire. Enfin bref, j'espère que je vais pas être déçue, mais je les trouve hyper top, enfin, c'est hyper fun. Ils ont tous une particularité et un soin différent, donc ça c'est vraiment cool. Enfin bref, je vous en reparlerai très prochainement. J'ai notamment eu aussi un sac
donc qui est comme ça. Je trouvais hyper sympa, ça revient beaucoup à la mode ce genre de sac à dos qui était très à la mode il y a 20 ans et qui ressort maintenant. Donc je suis plutôt contente en cuir. Et il a l'air d'être vachement résistant. Puis je trouve que c'est vachement pratique, moi qui ai des enfants, de devoir trimballer toujours plein d'affaires à eux. Bah, c'est suffisamment grand. Enfin bref, j'aime beaucoup et j'ai eu aussi ça pour mon Noël par mon papa. Et pour ce Noël-ci, j'ai notamment eu des cartes cadeaux, chose que j'avais demandé dans ma liste de Noël, étant donné qu'on vient de déménager. J'avais très envie de profiter de ce déménagement pour faire, voilà, rafraîchir que ce soit ma décoration ou mon mobilier, si je pouvais me le permettre. Trois cartes cadeaux, notamment deux chez Maison du Monde et une chez Ikea, donc c'est des enseignes que j'adore. Maison du Monde, j'y vais que très rarement parce que ça coûte un bras. Mais voilà, je suis hyper contente de pouvoir acheter des petites décos pour pouvoir le mettre chez moi. Et la première chose que j'ai acheté et que je recherchais, c'était une panière à linge sale. Donc je vous la mets juste ici, j'ai trouvé hyper sympa. Enfin voilà, c'est assez classique, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur une panière à linge sale. Mais je l'ai trouvé sympa et ça m'a coûté 25€. J'ai aussi pris ce bocal qui, voilà, ça paye pas de mine comme ça, mais il est hyper joli, je trouve. Enfin, j'adore faire les cookies, les cupcakes et compagnie. Du coup, je voulais trouver un contenant pour pouvoir les mettre et j'ai trouvé ce bocal que je trouve très joli. Avec l'emplacement, on peut marquer ce qu'il y a dedans et puis, cet effet un peu rose gold qui est très à la mode ces derniers temps. Et enfin, il est hyper gros, il m'a coûté 10€. Pour être honnête, j'ai trouvé ça peu cher chez Maison du Monde. À partir du moment où c'est moins de 10€ chez Maison du Monde, j'ai l'impression de faire une affaire. Autre petite trouvaille que je vais vous mettre juste ici, donc c'est un paillasson. Encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, mais c'est juste que la taille était juste parfaite. Ça rentrait parfaitement sur la marche de mes escaliers. Enfin, ça m'a pas coûté trop cher, il me semble que c'était entre 6€ et 8€ et c'était pas en solde. Chose que j'ai aussi trouvé en solde, c'est cette petite coupelle. C'est une coupelle quoi, une coupelle mais pour les bijoux, avec ces petits détails dorés que j'ai beaucoup aimé et c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Normalement elle coûtait 6€, je l'ai eu pour 3€, donc encore une fois une aubaine. J'ai acheté ce panier en osier, donc voilà, c'est un panier en osier avec un espèce de toile de jute ou je ne sais quoi dedans. Et là il y a écrit atelier de coiffure, moi qui ai des accessoires de coiffure qui traînent aussi partout dans la maison, j'avais besoin de trouver quelque chose où les mettre et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Normalement il coûte 15€ et je l'ai eu à moins 50%, donc 7,50€. Voilà, donc je suis plutôt contente de ma trouvaille. Il n'y avait pas moyen que je n'achète pas de cadres chez eux parce qu'ils font des cadres vraiment très très beaux. Et je suis partie sur celui-ci que j'ai beaucoup aimé. À vrai dire, je sais pas à quoi ça ressemble, mais je trouve ça très joli. Donc je l'ai acheté, mais je ne sais pas non plus où est-ce que je vais le mettre chez moi. Mais je l'ai trouvé vraiment très sympa avec voilà, ces petites couleurs qui sont très tendances. Et normalement ça coûtait 10€ et des poussières. Et j'ai acheté moins 50%, donc 5€ et des poussières aussi. Et deuxième tableau et dernier produit que j'ai acheté à Maison du Monde, c'est ce cadre, encore une fois, avec l'inscription Just a Smile et les petits, petits détails dorés toujours, que j'ai beaucoup aimé, toujours dans les couleurs assez tendances du moment, et très très simple, voilà, pas chercher compliqué, et j'ai beaucoup aimé, et il a coûté, normalement il coûte 6€ je crois, et j'ai eu à moins 50% aussi. Et puis voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous aussi vous avez eu pour Noël, je suis hyper contente de ce que j'ai eu. J'espère que vous avez été tout aussi gâtés. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, me dire ce que vous avez eu pour Noël, ce que vous avez le plus aimé recevoir. Même si je pense que le plus important finalement c'est pas spécialement un cadeau, mais c'est voilà, l'occasion qu'on a de pouvoir se réunir et d'être en famille. C'était la petite séquence émotion. Ouais, clairement c'est ma période préférée de l'année. Et c'est toujours des moments particuliers où on peut passer ça en famille. Et c'est ce que je retiens le plus avant tout. Mais c'est vrai qu'on aime bien avoir des cadeaux, hein. On va pas se mentir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, moi, je vous retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao !